À la source du travail de Jean-Luc Bouchaud, il y a toujours une photo. Et au final, bien malin celui qui arrive à faire la différence entre la photo et le dessin qu'il en tire. Je pense, je choisis le lieu où je veux faire une photo et après je cadre selon l'inspiration par rapport à un dessin que je veux faire. Et là, en l'occurrence, le pont, je me suis mis un peu par là pour avoir le pont en trois quarts. Et j'évite bien sûr que les voitures passent sur le pont. Et après, je travaille chez moi sur ordinateur. Ces lumières, elles changent tout le temps en fait. Et donc, il faut absolument que je puisse cadrer ma photo et avoir mon sujet pour travailler après. La photo, c'est le petit bout de Creuse que Jean-Luc emporte chez lui à Paris. En semaine, la réalisation de ses dessins permet à cet agent de la RATP de s'évader bien loin du métro parisien. J'ai, comment dire, des racines creusoises par mon oncle qui est agriculteur et j'adore les vieux bâtis, les vieux villages. Je peux prendre une après-midi par les petites routes creusoises et m'arrêter dans un lieu, soit une rivière, soit un village avec des vieilles maisons un peu à l'abandon et faire de la photo et retravailler purement photo pour partager sur des groupes creusois ou pour refaire un dessin derrière. Ça dépend en fait l'inspiration puis sur le moment quoi. Devant son ordinateur, il grossit les détails de la photo et en 3 à 8 heures, selon le format, il arrive à ce travail photoréaliste. Toujours en quête des détails d'un mur en pierre, du bois vermoulu de la porte d'une grange ou l'écorce d'un chêne mort, il les restitue avec un matériel très rudimentaire. Et on peut tracer des maisons, on peut tracer des arbres, après avec ces mines de plomb on peut griser, et après on peut estomper, donc on donne du volume, on donne des effets, et on peut faire les ciels, on peut tout faire, quoi. On peut travailler sur moins d'un millimètre de large, et ça permet de rendre la pierre, un pont, une fenêtre, du feuillage en pointillisme, ou remplir des zones grâce à ça, en fait. Donc, ça me va bien, moi. Autodidacte et modeste, Jean-Luc entame, poussé par ses proches, sa 3e exposition. Ses œuvres seront visibles jusqu'au 5 mai à la salle Chaminadour de Guéret.